consécutif vient de marquer un but dans mon camp. Un but qui me fait paradoxalement sauter de joie, parce qu'il me fait gagner le mat de l'émotion qui m'anime ici ce jour. J'adore les belles victoires, et celle d'aujourd'hui restera dans les annales de cette municipalité. Comme l'une des plus belles, lorsqu'on entrevoit ou pense le développement dans notre pays, on focalise à raison l'attention sur les infrastructures. Mais l'humain, au centre du développement, de la construction de la mémoire, est aussi une autre étape de développement qui démontre la qualité et la vision des hommes qui posent des actes de ce niveau. Cette mairie entre donc dans l'histoire, comme celle qui met ensemble tous les aspects du développement de la cité. Je voudrais vous remercier pour cela. Je voudrais vous dire combien je suis heureux. Je peux imaginer les obstacles nombreux qui peuvent se dresser sur votre chemin. Parfois même, lorsque vous devez défendre des visions invisibles pour les autres. Lorsque vous devez défendre les idées qui font peur aux autres, permettez-moi donc de louer votre courage et votre engagement, mon cher Pititi. L'histoire n'est pas seulement la connaissance du passé, basée sur les écrits, comme on nous a toujours appris. Mais c'est aussi la capacité pour les grands hommes de poser des actes qui seront des repères pour la postérité. Vous entrez donc un peu plus dans l'histoire, ici à Yaoundé 6. Les révolutions ont ceci de particulier, qu'elles ne commencent pas en même temps partout. Elles partent parfois des coins reculés, des lieux inattendus ou embrasés, de façon progressive et rapide, toute la société. Que votre acte historique ce jour devienne une épidémie de reconnaissance et de célébration partout dans notre pays. Que je sois en plus au centre de ce moment inoubliable me rend plus heureux. Vous avez signé ce jour mon acte d'adoption à Yaoundé 6. Soyez rassurés, vous ne serez pas déçus. Faut-il rappeler à tous que Yaoundé est la ville qui m'a accueilli plus jeune. Et c'est ici que mon histoire avec le football a commencé. C'est également ici, en Fadena, que plusieurs fois j'ai partagé des moments de bonheur avec beaucoup d'entre vous. Des moments de déception aussi. Mais à chaque fois, vous m'avez porté et accompagné. Le geste de ce jour est la preuve que jamais vous n'avez coupé le cordon ombilical de notre amour. Merci. Le timing de cette célébration me conforte à l'idée qu'à vos yeux, je suis resté l'enfant qu'il faut chérir et qui, à Noël, mérite aussi son cadeau. Me voici donc au pied du sapin, devant le maire Noël, Pititi, pour un cadeau immense, inattendu, inoubliable. Je passerai donc les fêtes à contempler ce merveilleux cadeau, comme un enfant qui reçoit son premier jouet. Pendant que d'autres chanteront Petit Papa Noël qui descendra du ciel, je vais entonner Grand Papa Noël, mon frère Pititi. Qui vient de Yaoundé 6, autant vous me permettez de passer des fêtes agréables, autant je formule pour vous des vœux de bonheur et de santé. Je souhaite que la nouvelle année vous épargne les difficultés de celle qui s'achève. Que nous nous retrouvions ici pour célébrer cette fraternité désormais institutionnelle. Soyez remerciés.